Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les derniers achats que j'ai faits. Il y en a un petit peu de partout, donc je vais commencer par ce que j'ai pris à Carrefour. J'ai pris des petits cotons démaquillants comme ça. Donc ils sont un peu larges, hein. J'aime bien ceux-là qui sont carrés, je les préfère à ceux qui sont ronds. Parce que moi j'utilise ceux-là sur tout le visage. J'utilise aussi ceux qui sont ronds pour les yeux, mais c'est vraiment les soirs où j'ai un petit peu la flemme, où j'ai envie de me démaquiller devant la télé. Et là, je vais plus utiliser une solution biphasée. C'est pour ça d'ailleurs que je recommence à m'intéresser aux solutions biphasées. Parce qu'il y a des soirs où, voilà, où mon mari a mis un film en marche et que j'ai envie de me démaquiller. J'ai pas envie de me démaquiller après minuit. Donc voilà, même si vous sentez pas le maquillage dans la journée, une fois le soir arrivé, vous savez que vous n'avez plus grand-chose à faire. Ou voilà, vous avez envie de vous démaquiller, de vous sentir propre, mettre votre pyjama et puis après, voilà, passer votre soirée, vous vous sentez bien. Tant que vous avez encore vos habits de jour et votre maquillage, c'est pas pareil. Donc je pense que vous savez ce que c'est. Et du coup, ben, là j'ai pris les carrés. Ceux-là, je les ai jamais achetés. Donc ben, je suis contente. Il y en a vraiment beaucoup dedans. En plus, il y en a 80. Et moi, ce que je fais, je vais vous montrer. Alors, je vais ouvrir un truc un petit peu économique. Là, vous avez des petits cotons qui sont un petit peu doublés. Ça, je l'ai vu. C'est mon mari qui l'a fait un jour. Je lui ai passé un coton. C'est le mettre en deux comme ça. Pour faire un petit peu plus d'économie, ce qui fait que ça vous fait 160 cotons au lieu de 80 au même prix. Donc c'est toujours sympa à faire. Donc vous les séparez en deux et franchement ils sont quand même épais. Vous mettez votre produit, hop, vous passez. Vous pouvez même utiliser l'autre côté là parce qu'une fois qu'il est mouillé, ça laisse pas de pluche ni rien. Donc voilà, c'est une petite astuce comme ça. Donc je vais essayer de laisser les produits visibles, du moins à peu près visibles. Parce que il y en a quand même beaucoup à mon goût. Donc je vais les laisser comme ça. Ensuite, pour Carrefour, c'est fini. Non, à Carrefour, j'ai repris mon huile de noisette. L'huile démaquillante que m'a offert Julie Wap est presque terminée. Donc je me suis dit, je reprends mon huile de noisette. C'est une huile très 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 bien pour le visage, pour le démaquillage. Elle démaquille tout. Mais vraiment tout. J'ai encore, je l'ai mise à côté pour que vous puissiez la voir. Celle-ci, c'est ma deuxième bouteille que je termine. Je l'ai utilisée aussi pour des DIY. Mais voilà, vraiment pour le démaquillage. Étant donné que ma routine démaquillage, en fait, c'est d'utiliser une huile démaquillante ou un beurre démaquillant, une gelée démaquillante, peu importe, sauf un lait, parce que je ne supporte plus les laits. Et donc, en fait, utiliser ce produit démaquillant qui va venir ensuite avec au contact de l'eau se transformer en lait. Et le rincer et ensuite mettre un gel nettoyant et puis me laver justement avec ce gel nettoyant. Étant donné que je mets toujours un gel nettoyant après le démaquillage à l'huile, etc., je me suis dit je vais reprendre quand même mon huile de noisette. Ça ne coûte pas du tout cher, 3 euros et quelques. Et voilà, vous avez ça, une sacrée quantité, croyez-moi, pour vous démaquiller. Ça vous fait au moins 6 mois. 6 mois facile. Si vous n'en prenez pas beaucoup. Par contre, c'est comme toutes les huiles démaquillantes qui s'émulsionnent au contact de l'eau. Bien sûr, si vous en mettez beaucoup, ça vous fera cet effet flou sur les yeux qui va être un petit peu compliqué après à nettoyer, étant donné que celle-ci n'émulsionne pas, vu que c'est juste une huile de noisette qui n'est mélangée à rien. Mais franchement, je trouve que pour les peaux mixtes, ça grasse, elle fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à la peau. Elle est vraiment très conseillée, même à utiliser juste avant sa crème de jour ou de nuit, en toute petite quantité sur le visage, comme sérum. Elle est vraiment top. Donc voilà, il fallait absolument que je me la reprenne. Je ne pouvais pas ne pas me la reprendre. Ensuite, j'ai pris ce produit-là de chez Garnier. Donc c'est une mousse purifiante douceur. Donc c'est une mousse nettoyante. En fait, j'ai envie de me nettoyer le visage avec une mousse nettoyante depuis très longtemps. Cet effet mousse, c'est un effet que je ne connaissais pas. Et j'avais vu un produit de chez Nivea, il me semble, qui est rose ou qui est bleu, je ne sais plus. C'est une mousse nettoyante et qui me faisait envie, sauf que l'été pour les peaux sensibles à sèche, il me semble. Donc je me suis dit pour les peaux sèches, ça doit être vraiment un truc qui va venir réhydrater la peau. Pour ma peau mixte à grasse, ça va peut-être pas être cool, surtout pour le matin ou le soir, hein, peu importe. Et du coup, je n'avais pas vu de mousse nettoyante pour les peaux mixtes à grasse. Mais ça, c'est parce que j'avais pas cherché plus que ça aussi, hein. Et j'en ai trouvé une, celle-ci, c'est de chez Garnier. Je vous l'ai déjà dit. Donc c'est aux extraits de pamplemousse et de grenade et vitamine C. Donc en fait, ça sent exactement la même odeur que le produit là. Au pamplemousse rose, de nettoyant pamplemousse rose qui est un petit peu exfoliant, mais exfoliant doux. Je vous mets la photo parce que tout de suite je me souviens plus du nom exact.
Pour moi, c'est un produit complémentaire. L'autre, c'est pour s'exfolier le visage. Donc, bon, on va dire 2 à 3 fois par semaine parce qu'il est quand même doux. Et celui-ci, c'est vraiment tous les jours. Donc, vraiment, je l'utilise depuis 3 jours maintenant. Je ne peux pas vous en dire plus, mais en tous les cas, je l'aime beaucoup. Ensuite, pour rester dans l'hygiène, hop, un autre produit. J'ai pris ce gel douche de chez Dop, hein, à la tarte à la fraise. Et c'est vraiment. C'est un délice. Franchement, c'est un délice. Dop, c'est quand même vraiment des gels douches que j'aime énormément. J'ai hésité. En fait, au début, quand j'étais dans le rayon, j'ai pris la Madeleine, le 4 quarts au citron et celui-là. Puis après, je me suis dit, genre, t'es dingue, t'en as encore beaucoup des gels douches, même si j'ai envie de découvrir une nouveauté. Voilà, même si j'ai envie de découvrir une nouveauté, le mieux, c'est d'en prendre une. La découvrir plutôt que d'en prendre 3, stocker les deux et puis je sais pas quand est-ce que je les utiliserai. Donc voilà, du coup je me suis résignée à en choisir un. C'était pas facile entre le 4 quarts au citron et celui-là. J'ai fini par prendre celui-là. Mais le 4 quarts au citron, celui-là, la prochaine fois que je le vois, je le prendrai. Donc c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Donc ensuite, j'ai pris le déodorant Mon Savon que vous voyez tout le temps sur la chaîne de Julie, hein, si vous la suivez. C'est Sweetness and Beauty G maintenant, parce qu'elle avait fait... Avant, c'était plus long, maintenant, elle l'a raccourci. Du coup, moi, je suis perdue. En tous les cas, je vous mets son lien en barre d'infos. Et du coup, elle en parlait tout le temps, c'était son déo préféré. Et elle prenait toujours ce petit format en plus. Et je me suis dit, bon, allez, je vais tester. Si elle l'aime vraiment à ce point-là, c'est qu'il est efficace. Je vais vous dire, si vous êtes comme moi et que vous préférez les déos billes pour deux raisons. Parce que les déos spray ne font aucune action dans la durée de la journée. Et parce que les déos spray vous brûlent quand vous les appliquez. Celui-ci a une action dans toute la journée. Et en plus, il ne brûle pas quand vous l'appliquez. Alors, le fait de brûler, ça dépend des peaux, ça dépend des composants des sprays. En tous les cas, moi, je prenais ceux de ma mère aussi. En plus, elle prend des trucs vraiment clean, 0, 0% de ci, 0% de ça, franchement. Et ça me brûlait quand même. Au début, je pensais que c'est parce que je faisais trop proche. Du coup, j'avais lu sur le truc qu'il fallait 10 cm ou je sais plus combien. Et je respectais, du coup, je mettais de loin, mais ça me brûlait quand même. Même si ça faisait 2-3 jours que je m'étais déjà épilée, ça brûlait quand même. Donc voilà, c'était pas post-épilatoire, hein, mais voilà. Donc je vous le conseille énormément si vous ne supportiez pas les autres déodorants, parce que celui-ci, croyez-moi, moi je supporte très bien, il est très efficace, il est très agréable, parce que comme j'ai l'habitude de cet effet mouillé sous l'aisselle lorsque je mets mon déo bille, avec ça, j'ai pas du tout cet effet-là, donc vous pouvez le mettre avant de vous habiller, alors qu'un déo bille, vous le mettez après vous être habillé, justement pour éviter que lorsque vous mettez votre vêtement, ça fasse des traces un petit peu partout, juste à ce niveau-là, qui peuvent être visibles selon le tissu, donc c'est un petit peu gênant. Donc ensuite, on va rester encore dans l'hygiène, entre parenthèses, hein. Donc j'ai repris mon shampoing sec de tous les temps de chez Baptiste, hein. D'ailleurs, je me suis résignée à plus en tester des nouveaux de chez eux. Et j'ai pris celui-là qui est le blush. Franchement, il est vraiment top. D'accord, il fait un effet blanc sur le cheveu brun. Je pense même sur le cheveu blond. Mais voilà, il faut vraiment bien le travailler à la racine, le laisser poser. C'est une solution quand on est pressé et c'est une solution quand on a les cheveux qui régressent assez rapidement et qu'on veut espacer les shampoings. Parce que c'est quand même bien d'avoir un shampoing sec sur soi et même si vous allez quelque part ou que vous n'aviez pas prévu de sortir et que vous dites ah, il faut vraiment que je me fasse un shampoing et que vous n'avez pas le temps. Voilà, ça peut servir aussi à ça. Sinon, c'est vraiment pour espacer les shampoings. Donc ensuite, j'ai repris ma crème Nivea Soft. Donc c'est une crème que j'aime énormément. Vraiment, j'y tiens vraiment beaucoup à cette crème-là. Elle m'a pas fait de mauvaises choses sur le visage. Elle me prend bien soin de mon visage. Elle est à base d'eau en majorité. Il y a de l'eau dedans. Ensuite, il y a de la glycérine. C'est très hydratant. Il y a un effet frais sur le visage. Même pour les peaux grasses, je pense qu'elle est conven... enfin, qu'elle convient. À vous de doser. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre un petit peu d'une petite quantité, vraiment très petite, de l'étaler sur les deux paumes de vos mains, de l'appliquer sur le visage et ensuite de voir. En général, cette crème-là se boit assez facilement parce que même si on a la peau grasse ou la peau sèche, après l'avoir nettoyée, démaquillée, elle a besoin d'être hydratée. Donc vous verrez, moi, cette crème-là se boit très facilement sur mon visage et à toutes les zones du visage, donc sans souci. Vraiment, je vous la conseille, c'est une crème qui coûte pas cher du tout et qui vaut largement le détour. Donc si vous n'avez toujours pas trouvé une crème qui convient à votre visage, testez celle-ci. Et vous m'en direz des nouvelles parce que franchement, les filles, elle est vraiment géniale. Ensuite, alors, on va rester quand même à Leclerc.
Donc à Leclerc, j'ai pris un rouge édition. Donc c'est les anciens, hein. Donc j'ai pris ce rouge édition là. Donc c'est la teinte 05. Et je vais vous montrer comment il se présente. Donc voilà comment il est. Donc vous pouvez voir, il y a écrit bourgeois dessus. C'est vraiment mignon. Moi, j'ai toujours aimé les rouges à lèvres qui étaient gravés. C'est sûr qu'au bout d'un moment, ça se voit plus. Et par contre, comme vous pouvez le remarquer, là, c'était écrit sur le packaging, il me semble. C'est écrit là aussi. Donc c'est un nouveau stick précision. Donc ce qui est bien avec ce stick-là, c'est que quand vous avez la bouche en cœur, c'est pas évident de bien mettre le rouge à lèvres dans la lèvre supérieure. C'est vraiment très compliqué. Vous avez souvent tendance à dépasser parce que les raisins sont souvent gros par rapport à cette forme de cœur. Donc vous dépassez à chaque fois. Donc il faut vraiment repasser, il faut faire gaffe, faut utiliser un crayon. Et comme moi j'ai la flemme d'utiliser des crayons, et surtout parce que je n'en ai pas trouvé des pas chers qui soient de bonne qualité. J'avais tendance à toujours dépasser, donc toujours devoir refaire des retouches avec le doigt pour essuyer un petit peu. En tout cas, celui-là, j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est vraiment génial. Malheureusement, ça ne va pas durer une fois que je l'aurai utilisé beaucoup. J'ai tendance, une fois utilisé, à, je sais pas, à creuser le centre de mes rouges à lèvres. Après, les raisins ont des formes vraiment bizarres. En tous les cas, je vais vous montrer, j'en ai déjà un de la même marque et de la même édition. Vous voyez comme il est beau, franchement il est très hydratant, il a une très bonne tenue. L'autre c'est un nude que j'ai et celui-ci c'est. Il tire vers les roses un peu marronnées. Oh, je ne saurais pas vraiment décrire la couleur. En couleur, je ne suis pas forte en tout cas. Et voilà, c'est un très bon rouge à lèvres que je vous conseille. En plus que j'ai eu en promo. Il était à 3 euros et quelques ou 4 euros et quelques, je ne sais plus. Ensuite, il y a une abonnée qui m'avait parlé. En fait, je crois qu'on discutait des rouges à lèvres de chez MAC. Ouais, j'avais vu que sur MAC, en fait, j'étais partie faire un tour. Je me suis dit, je vais me reprendre un rouge à lèvres parce qu'il y avait un code promo avec les frais de port gratuits. Donc, même si vous prenez un produit qui ne coûtait pas très très cher, vous aviez accès aux frais de port gratuits. Avec ce code-là, je ne sais plus lequel c'est, hein, je l'ai perdu. Parce qu'à la base, moi, quand j'ai commandé, il n'y a même pas un an, il y a quelques mois que j'ai eu mon premier rouge à lèvres MAC. J'ai commandé, il était à 18 euros, maintenant ils sont à 19. Et en plus, une autre abonnée m'a dit qu'au début ils étaient à 16. Donc voilà quoi, enfin faut arrêter. Et ils ont des rouges à lèvres qui sont complètement pourris, ils ont des rouges à lèvres qui assèchent les lèvres comme pas possible. Et ils se permettent quand même de continuer à augmenter les prix, mais ça c'est la faute de qui? C'est notre faute à nous parce qu'en tant que consommatrice, on commande tout le temps sur leur site, l'effet de mode fait que. Enfin, moi je ne commandais qu'une fois, mais voilà quoi, enfin. C'était exorbitant. Elle m'a dit, voilà, moi j'ai acheté ces rouges à lèvres-là de chez Sephora, je crois qu'elle en a trois. Elle m'a dit, ils sont top et je comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez. Donc elle m'en a fait toute l'éloge, hein. Bien sûr, j'ai craqué. Le soir même, au moment même, après avoir discuté avec elle, j'en ai pris un. Mais avec la carte Sephora Gold, vous avez tout le temps les frais de port gratuits sur le site. En plus, j'avais un code de moins 20%. Donc je l'avais eu entre 6 et 7 euros le rouge à lèvres. Donc c'est un très très bon prix. Et donc je vais vous le swatcher juste là. Donc la couleur est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Et vous voyez, franchement, il est très beau. C'est un corail. Il est juste sublime. Donc c'est la très bonne période. Et j'en ai choisi qu'un, bien sûr, pour pouvoir tester. Parce que je me laisse influencer, mais je ne prends pas tout non plus. Je me suis dit, je vais tester. J'ai vraiment confiance en ses goûts, mais je me suis dit, je vais quand même regarder. Donc ensuite, le prochain produit, c'est la Banana Powder de chez Benai. Je dis banana, mais il y a plusieurs teintes, hein. Moi, j'ai pris la banana parce que c'était celle dont j'entendais le plus parler. Ça va des peaux plus claires aux peaux plus noires, elles l'ont toutes. Donc, je me suis dit, bon, ça doit être la teinte qui fonctionne le mieux et qui est le plus adaptée. Donc, à la base, cette poudre-là est utilisée dans le contouring pour vraiment utiliser dans certaines zones pour vraiment donner de la lumière. Et franchement, quand vous regardez les make-up, ça donne une sacrée lumière. C'est très très lumineux et ça vient très très bien fixer l'anti-cerne. En fait, c'est utilisé aussi pour fixer l'anti-cerne et beaucoup de filles ne l'achètent que pour fixer leur anti-cerne et pour donner justement un effet lumineux dans le dessous de l'œil. Donc moi, je l'avais acheté aussi pour tout le visage. Étant donné que la teinte banana, c'est vraiment une teinte qui va ressembler, enfin qui se rapproche un peu plus à ma carnation. Moi, j'utilise surtout le visage parce que sur ma peau, cette teinte-là ne fait pas cet effet lumière qu'il peut faire sur les peaux métisses à noir. Donc vraiment, si vous avez la peau noire ou métisse, mais vraiment bien foncée, genre de caramel, bon, beige doré, même beige doré, je ne sais pas si ça ferait le même effet. Beige doré, je pense que ça se verrait pas très bien. Faut vraiment que votre peau soit pas, enfin, dans les caramels
caramel, chocolat. Donc vraiment que ce soit un peu plus foncé pour que cette poudre-là fasse vraiment cet effet vraiment éclatant. Par contre, pour les peaux blanches à légèrement dorées, allez, je pense vraiment que ce serait plus la Cameo. Alors j'ai été conseillée par une youtubeuse à laquelle j'avais posé la question sous sa vidéo. Je ne me souviens plus de son nom, du nom de la chaîne, mais je vais vous mettre sa revue justement à elle de la banana powder. Vous allez voir comment elle se maquille avec. Et franchement, c'est vraiment génial. En tout cas, pour les filles noires qui me suivent, elle est vraiment, vraiment, vraiment géniale. Pour les blanches, c'est vraiment une poudre qui va venir fixer le maquillage. Par contre, elle fixe bien le maquillage et pour moi, en tant que poudre pour le visage, je trouve que c'est la meilleure poudre jusqu'à aujourd'hui que j'ai pu tester parce qu'elle fait durer le maquillage toute la journée. Il n'y a pas d'effet cakey. Donc, je vais vous montrer comment elle est. Donc, vous avez un petit truc comme ça juste au-dessus. Moi, ce que je fais, si vous voulez l'utiliser juste pour le dessous de l'œil, il suffit d'en mettre un petit peu dans le capuchon et d'utiliser un pinceau précision. Mais si vous voulez le mettre sur tout le visage, moi j'ai pris le couvercle de la Stay Matte. Vous voyez là, la poudre Stay Matte, j'ai pris le couvercle et je mets ça dedans. Donc j'ai mis ma Stay Matte dans le truc, même quand elle sera terminée, je continuerai à utiliser le couvercle pour pouvoir la mettre sur tout mon visage. Je vais vous montrer mes achats de chez NOS. Donc chez NOS, j'ai trouvé la marque CoverGirl. Donc j'ai repris un mascara. J'ai dit j'ai repris parce que Julie m'a offert celui dont on entend parler le plus sur YouTube, c'est l'orange. D'ailleurs, je vous l'ai déjà montré sur une autre vidéo. Et je l'ai eu à 3,50 €. Voilà. Donc je peux pas vous en dire plus étant donné qu'il est encore fermé. Mais franchement, c'est vraiment. J'aime vraiment beaucoup. Moi, les brosses en picot sont mes préférées parce que je trouve qu'au niveau du rendu, c'est le rendu le plus facile à faire. Ensuite, de la même marque, toujours CoverGirl, cette fois-ci à 2,90 €, j'ai eu un baume à lèvres qui est vraiment tout mignon. Voilà. Et il y a quand même ce qu'il faut dedans, hein. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur légèrement vanillée. Donc je vous l'avais laissé dans le packaging exprès pour vous montrer un petit peu comment c'était présenté. Donc mon dernier achat de chez NOS, c'est une petite boîte qui m'a coûté 1,99 €. Et c'est une petite boîte qui se présente comme ceci. Au début, quand je l'ai vue, elle m'a beaucoup plu. Et c'est souvent moi je craque souvent sur les petites boîtes comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire? Et j'ai trouvé une utilisation parce que je pouvais pas commander sans trouver vraiment une raison. Parce que je pouvais pas vraiment la prendre sans justifier. Parce qu'en fait, j'étais à NOS avec mon mari. Et si je lui dis j'ai pris ça, faut que je justifie à côté. Pourquoi tu l'as pris? C'est pour quoi faire? Donc voilà. C'est pour ranger les boucles d'oreilles puces. Donc il n'y a rien de mieux. C'est tout petit. Il y a un petit tiroir. C'est vraiment très mignon, franchement c'est vraiment très mignon, le genre de truc que j'aurais rêvé d'avoir étant petite fille, que j'avais pas. Donc je pense que c'est pour ça que je les prends à mon âge, mais voilà. Vous avez plein de roses un petit peu partout là, de dessinées, et derrière vous avez un petit dessin avec la tour Eiffel. Donc dedans, vous avez un petit miroir, et vous avez le petit truc là, comme ça, qui est assez grand, et le tiroir est tout petit. Donc voilà, j'ai trouvé ça super super mignon. Donc sur le site de Né Jolie, je vais commencer par ça. Alors ça c'est quoi? Ça c'est l'emballage de la coque. Hein. Je trouvais vraiment que l'emballage par rapport à AliExpress était vraiment mieux soigné. Genre d'emballage qu'on peut trouver dans les boutiques lorsqu'on achète des produits. D'ailleurs c'est destiné à être vendu en boutique hein, quand vous voyez le truc pour l'accrocher. Donc franchement, pour la marque, je crois que c'est la marque Ero, E-R-O. Et je vais vous montrer moi comment est la coque que j'ai choisie. Je l'ai trouvée juste sublime. Donc comme ça avec du noir et du rose. Elle est vraiment sublime et ça fait comme un effet un petit peu 3D. Donc franchement voilà quoi. Donc vous avez la petite plaque qui se met au fond. Vous avez le grand truc là, tout le contour qui se met au dessus. C'est une sorte de... C'est pas de la gomme. C'est très doux au toucher. C'est aussi doux que de la gomme mais c'est plus dur. Difficile de vous décrire mais c'est pas de la gomme du tout. Donc vous mettez ce contour là et ensuite vous bloquez avec vous bloquez ça parce qu'il y a des petites encoches et ensuite vous mettez le dessous et ça clipse. Vous voyez là à ce niveau là il y a un clipse et pareil de l'autre côté. Et franchement c'est un grand coup de cœur. Et par rapport au prix, franchement si vous hésitez encore à aller sur le site de Né Jolie, allez y faire un tour. Moi franchement je préfère Né Jolie à AliExpress.
Pour tout, pour la façon de gérer, pour le fait qu'il n'y a pas 1 million de vendeurs. Voilà, enfin, franchement, je trouve que le site gère mieux. Et puis, vous commandez tout ce que vous voulez, ça vous arrive dans un seul paquet. Et c'est vraiment génial. En plus, tous les frais de port sont gratuits. C'est vrai que moi, j'ai passé énormément de commandes sur le site d'AliExpress. J'ai eu des bons trucs et des mauvais. Pour celles qui me suivaient sur l'ancienne chaîne, j'avais eu quand même des déceptions. Il y a eu quand même des produits que j'ai pas reçus, mais ça m'était arrivé 2 fois. Des produits que j'avais pas reçus, mais qui m'avaient été remboursés. Par contre, là justement, il y a mon mari en face de moi qui insiste pour que je vous le dise. Mon mari a fait 3 commandes sur le site d'AliExpress, étant donné que je n'arrêtais pas d'en faire les éloges. Et il a regretté parce que sur le site d'AliExpress, lui, il y a une commande qu'il a voulu offrir à sa mère. Il a envoyé un truc au Maroc. À savoir qu'il y en a beaucoup des Marocaines hein, qui ont fait des commandes sur AliExpress, qui ont reçu leur commande. Mais voilà, faut vraiment. Là, lui, il avait regardé, c'était des vendeurs qui avaient des super avis. Voilà, c'était des descriptions bien faites, il y avait beaucoup d'avis positifs. C'était des genres premium. Vous avez des diamants ou des trucs comme ça qui sont mis à côté, genre vraiment, celui-là, c'est un bon vendeur. Il a des bons retours. Il y a un truc qui a mis 3 mois. 3 mois qui n'est jamais arrivé. Donc on a fini par ouvrir un litige parce qu'à chaque fois, il nous disait oui, ça va arriver, ça va arriver. Donc ça a mis 3 mois à arriver. Enfin, ça n'est jamais arrivé, hein, donc 3 mois. Il y en a un autre qui est perdu en Allemagne, on ne sait pas où, ça fait 2 mois. Et puis il y a un autre qu'on a reçu, c'était pas trop ce qu'on avait commandé. Donc franchement, voilà quoi, ça commence à partir un petit peu en cacahuète. Donc voilà, il était déçu, il voulait absolument que je vous le dise, que vous sachiez un petit peu qu'AliExpress, c'est pas vraiment si génial que ça. Mais voilà, après, de ma propre expérience à moi, c'est vrai que j'ai pas eu de grosses grosses déceptions et que j'ai été remboursée à chaque fois, sauf pour une fois pour un achat de moins d'un euro. J'avais acheté. En fait, il y avait eu un souci, c'est qu'en fait, il y a des vendeurs qui vous expédient pas les trucs si vous n'achetez pas à partir de 10$. Il y en a qui sont comme ça. Et du coup, moi, j'avais acheté en dessous de 10$ et il m'avait dit de racheter d'autres trucs dans sa boutique pour arriver à 10$ pour qu'il puisse me l'expédier. Et du coup, bah moi, j'avais pas trop envie de racheter plein de trucs dans sa boutique. À savoir que ça m'avait été dit après avoir fait mon paiement. Donc, t'es un petit peu bloqué. Et du coup, bah j'ai abandonné, j'ai ouvert un litige, il a refusé, ou je sais pas qu'est-ce qu'il avait fait. En tous les cas, j'ai jamais été remboursée, mais c'était dans mes débuts, je m'y connaissais pas trop avec le site. Mais en tous les cas, voilà, j'arrête de papoter. C'était juste pour vous dire, c'est la parenthèse AliExpress, étant donné que je ne commande plus sur ce site. Mais voilà, que vous sachiez. Sinon. On va passer à la suite. Donc j'ai pris une crème pour les mains. Donc c'est une crème pour les mains à la poire. Et j'adore franchement le packaging. Ça me fait penser à. C'est quoi la marque déjà? Je sais plus comment la marque s'appelle. En tous les cas, voilà. Ça, c'est la marque. Je crois que c'est la Fruit Fruit of Expression. Donc c'est une crème pour les mains aux fruits. Donc franchement, packaging, rien à dire. Voilà, comme c'est une crème assez compacte, c'est assez difficile à ouvrir. Donc je vais directement... Hop. Voilà, je vais pas utiliser la petite encoche parce que sinon j'arrive pas à l'ouvrir avec. Donc c'est une crème légèrement verte qui est assez compacte, très riche. Et franchement, sur les mains, c'est génial quoi. Franchement, elle est géniale. Et ça sent les fruits, ça sent un petit peu les shampoings Fructis. Voilà. Si vous aimez l'odeur des shampoings Fructis. Donc voilà, ça sent super bon ce produit-là. Ensuite, j'ai pris des petits strass pour les ongles, comme ça. Donc j'en avais, mais ils sont terminés. Et là, il y en a vraiment plein, quoi. Il y en a vraiment plein dedans, donc c'est vraiment génial. En plus, vous avez toutes les couleurs. Faudra que je fasse ma sélection avant de commencer le nail art, mais voilà, quoi. J'ai pas envie de les faire tomber. Elles sont vraiment toutes, toutes jolies, à plein, plein, plein de couleurs. Top. Et moi, les miennes, j'en avais plus. Je les avais reçues dans un kit de nail art et j'en avais que quelques-unes. Et là, franchement, je suis vraiment contente d'en avoir autant. Donc ensuite, j'ai pris un miroir dont le packaging est comme ça. Vous voyez, ça, c'est un miroir gâteau. Et voilà comment est le miroir. Donc en général, quand on est assez gourmande, on n'aime pas non seulement les produits. Qui sont parfumés aux fruits ou aux gâteaux. On aime aussi ceux qui y ressemblent. Donc, d'où un miroir en forme de gâteau et une crème pour les mains en forme de poire.
Mais voilà, franchement, c'est vraiment génial. Il y a écrit dessus Cocoa Cookies, I like. Voilà, et ça ressemble un petit peu au Oreo. Dedans, vous avez votre miroir et vous avez une petite brosse. Donc, je ne dis pas que la brosse, je l'utiliserai, mais c'est bien vraiment si vous avez des petits frisottis. Franchement, c'est trop trop mignon. Donc, ensuite, j'ai pris ce produit-là. Donc, c'est un blush. Et vous allez voir que, en fait, il coûte pas cher du tout ce blush-là. Et vous allez voir que ça fait un petit peu l'effet des blushs, un petit peu des produits de luxe, un petit peu style. Genre Guerlain, s'ils avaient pu faire un packaging comme ça, ils l'auraient fait quoi. Donc, je vais vous montrer le blush. Il y a un petit pinceau qui vient avec. Donc, voilà le petit pinceau. C'est exactement le même style de pinceau qu'on trouve avec les produits de chez Dior ou de chez Guerlain. Bon, maintenant ils font plus des styles de pinceaux style kabuki, mais ils en font aussi des comme ça. Et voilà comment se présente le blush. Donc moi, ça me fait penser vraiment quand vous voyez les reflets comme ça me fait penser aux produits de chez Guerlain, de la terracotta. Vous voyez le style, les effets qu'il y a dessus. Pareil derrière, tout le packaging exactement me fait penser au packaging de la terracotta. Donc encore une fois, pour vous dire que sur les sites asiatiques, on peut trouver de bons produits. Ça, c'est une marque qui se vend en Asie, hein. Franchement, c'est pas une imitation de truc qui va être faite à l'arrache. Donc, voilà comment se présente le blush. Donc vous avez un grand miroir qui est vraiment nickel. Alors, franchement, il est très beau. C'est pas un miroir qui déforme. Impeccable. Et voilà comment se présente le blush. Que je vous le montre sans faire de. Vous voyez comment c'est très joli, c'est gravé. Vous avez des légères petites paillettes ici, c'est vraiment décoratif. Hein. J'ai utilisé une fois, ça commence vraiment à partir. Je ne sais pas si vous verrez les paillettes. Normalement, vous devez les voir. Donc voilà, c'est un blush qui est vraiment très très joli. Il est très très bien pigmenté. Voilà, franchement, c'est un rose flash. Il est très poudreux. Il fait vraiment rose bébé. Rose poupée. Comme vous voulez, ou Rose Barbie. Rose Barbie, je pense que c'est celui qui colle le mieux. Et il est très poudreux, il n'est pas crémeux, il est vraiment poudreux. Donc pour les peaux sèches, si vous n'avez pas tendance à enfin à mettre vraiment beaucoup de maquillage, il ne vous conviendra pas parce qu'il est trop poudreux. Il aurait plus tendance à accentuer juste les sécheresses que vous avez sur le visage. Donc voilà, en tout cas, moi, il me convient très bien. J'aime vraiment beaucoup ce blush-là. Et pour terminer, je termine par le meilleur en quelque sorte. Ce sont ces deux produits-là. Donc ce sont des lacs à lèvres à effet mat. Donc en fait, pour leur nom, ce sont des Long Lasting Lip Gloss. Et c'est la marque MN. MN. Alors c'est la marque Minho Génération 2. Alors moi j'ai pris la teinte 02 et la teinte 07. Et voilà les swatchs. Donc pour celui-ci qui est beaucoup plus flash, le swatch est au-dessus. Donc c'est celui-là. Je les ai faits il y a un petit moment pour qu'ils puissent sécher et vous montrer un petit peu l'effet que ça fait et la tenue qu'ils ont. Ensuite vous avez celui-là et qui est juste en dessous. En tous les cas, moi je les aime beaucoup. Ils sont longue tenue. Vous pouvez manger, vous pouvez boire sans souci. Vraiment, ils tiennent vraiment très très bien. Ils sont très intéressants. Donc voilà, par contre, faites gaffe si vous buvez beaucoup, si vraiment vous avez tendance à passer votre langue un peu trop souvent sur vos lèvres, faites gaffe à voir un petit peu de temps en temps, avoir un petit miroir sur vous, parce que si vous le faites trop souvent, vous risqueriez de retirer la matière du centre de vos lèvres et ça fera juste comme si vous aviez fait un contour au crayon, et là c'est un petit peu de très mauvais goût, et faut faire gaffe quoi, faut surveiller. Donc je vais vous montrer comment ça tient. Donc là, ce que vous voyez là, c'est parce que j'ai touché les swatchs du haut. Par contre, vous voyez que le coton accroche. Donc ça veut dire qu'il colle quand même un petit peu les produits, vous voyez? Ça, y a quand même cet effet collant. C'est collant, franchement. Donc voilà, il faut faire gaffe au niveau. Il y a un moment où ça arrête de coller, hein. Mais au début, c'est un petit peu difficile à utiliser. Mais voilà, franchement, voilà quoi, hein. Je vais passer. Voilà. Donc, longue tenue, hein. Donc, voilà, je peux pas dire grand-chose de plus. Franchement, je suis vraiment satisfaite. En tous les cas, il n'assèche pas du tout, mais alors pas du tout les lèvres. Vous ne les sentez pas.
Une fois que l'effet collant est passé, au début, je me suis dit, mince, si ça colle comme ça, c'est pas possible, vous pouvez pas parler. Il suffit que vos lèvres se touchent, hop, ça colle. Et donc, c'était vraiment très désagréable. Mais au bout d'un moment, ça ne faisait plus cet effet-là. Donc, c'était vraiment complètement matifié. Donc, il faut leur laisser le temps. Ils coûtent pas très cher. Donc, on peut accepter le fait que ça puisse mettre du temps à sécher sans problème. Et en plus, moi, j'en avais mis une quantité assez importante. Donc, ce qui peut expliquer aussi le fait que ça mette du temps à sécher. Donc, gros gros coup de cœur. Je pense me reprendre d'autres couleurs sur le site de Néjoli. J'ai vu qu'il y en avait d'autres. Et vraiment, je vais me reprendre d'autres couleurs. Mais je vais attendre d'avoir fini cela avant. Donc voilà pour mon big haul, parce que moi, pour moi, c'est un big haul. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que je vous aurai donné des idées d'achat, que j'aurai pas trop élargi vos wishlists, parce que c'est possible aussi. Et voilà, en tous les cas, j'ai essayé de vous donner les avis pour ceux que j'avais déjà testés, étant donné que ça fait un petit moment que j'ai tous ces produits-là. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les filles!